Chers amis, la joie est dans le cœur, dans mon cœur, mais aussi dans le cœur du Seigneur. Car il est heureux quand vous prenez du temps pour partager sa parole, l'étudier et laisser cette parole vous influencer. Merci à vous d'être là et que le Seigneur soit loué pour cela. Notre sujet du jour, annoncer parmi les nations sa gloire. Nous prions, notre Père, notre Dieu, merci encore pour cette leçon que tu nous donnes aujourd'hui. Père, tu nous aimes vraiment. Et c'est parce que tu nous aimes que tu nous envoies ta parole et que tu nous demandes d'être à l'écoute et de laisser ces paroles nous transformer. Que la sagesse nous accompagne en ce jour et que ta parole nous touche et nous transforme en Jésus. Amen. Je vais vous inviter à lire avec moi le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme et ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie. Et verset 13. Devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Et les peuples selon sa fidélité. Amen, amen. Une question. Quels sont les multiples aspects de l'adoration mentionnés dans ce psaume? Je demande là encore à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Mes amis, l'adoration comprend le chant à l'Éternel, la louange de son nom, la proclamation de sa bonté et de sa grandeur, et l'apport de son don à son temple. En plus de ces caractéristiques familières de l'adoration, le psaume 96 met en évidence un aspect moins évident du culte, à savoir la dimension évangélique de la proclamation du royaume de l'Éternel aux autres peuples. Cependant, le chant, la louange, les offrandes et la proclamation de l'Évangile ne sont pas des actions distinctes, mais des expressions variées de l'adoration. La proclamation du salut de Dieu à toutes les nations donne de la substance à la louange et du contenu à l'adoration. Remarquez comment les raisons de l'adoration coïncident avec le message proclamé aux autres peuples. Car l'Éternel est grand, verset 4. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux, verset 5. L'Éternel règne, verset 10. Il vient pour juger la terre, verset 13. Ainsi, le but de l'évangélisation est d'unir les autres peuples au peuple de Dieu et en fin de compte, à la création tout entière dans l'adoration de l'Éternel. Alléluia, versets 11 à 13. L'adoration naît de la reconnaissance intérieure de la nature de l'Éternel, c'est-à-dire créateur, roi et juge. L'adoration consiste donc à se souvenir des œuvres passées de Dieu, donc la création, à célébrer ses merveilles actuelles, le maintien du monde par Dieu et son règne actuel, et à anticiper ses œuvres futures, c'est-à-dire le jugement de la fin des temps et une nouvelle vie dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alléluia. Dans les psaumes, le jugement signifie la restauration de l'ordre divin de paix, de justice et de bien-être dans un monde actuellement accablé par l'injustice et la souffrance. C'est pourquoi la terre entière se réjouit des jugements de Dieu. Versets 10 à 13. Lisons maintenant le psaume 98, 4 à 9. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques.
avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Verset 7. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Et verset 9. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Le fait que l'Éternel soit un juge juste devrait en outre nous motiver à l'adorer dans la sainteté et à trembler, et devrait nous mettre en garde contre le fait de prendre l'adoration à la légère. L'adoration implique à la fois une joie et une confiance immense, et une crainte et un effroi sacré. L'appel universel du psaume 96 à adorer le Créateur et le Juge se reflète dans la dernière proclamation évangélique de Dieu pour le monde, ce qu'on appelle le message des trois anges d'Apocalypse 14, 6 à 12. À bien des égards, ce psaume semble intégrer le message de la fin des temps. D'abord la création, le salut, donc l'évangile éternel, et l'adoration et le jugement. Donc tout y est également. Alors, comparez ce psaume que nous venons de lire au message des trois anges d'Apocalypse 14, 6 à 12. En quoi pouvons-nous dire qu'ils enseignent les mêmes vérités fondamentales que ce message de la fin des temps que nous devons proclamer au monde? Pour vous aider, lisons quelques versets d'Apocalypse 14. Apocalypse 14, 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je demande au Seigneur de vous accompagner par son Esprit Saint dans votre lecture d'Apocalypse 14, 6 à 12, et également à la question qui nous est posée. Mes amis, un nouveau cantique suppose des faveurs nouvelles, savoir ses compassions qui se renouvellent chaque matin. Un nouveau cantique est un chant de louange d'honneur de la nouvelle alliance et des précieux privilèges qu'elle renferme. Toute la terre est invitée de servir l'Éternel selon qu'il l'a ordonné. Cet appel, qui était un sujet de mortification pour les Juifs, est la prédiction d'un événement qui devrait avoir lieu pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de l'humanité. Les cieux, la terre, la mer, les trois grandes parties de l'univers matériel célèbrent l'ordre des choses nouveaux. Les cieux se réjouissent en faisant resplendir leur lumière. La terre en prodiguant les richesses de sa végétation. La mer met en mouvement tous ses flots pour faire entendre sa grande voix. Alléluia. En conclusion, l'adoration comprend le chant à l'Éternel, la louange de son nom, la proclamation de sa bonté et de sa grandeur. L'adoration implique à la fois une joie et une confiance immense et une crainte et un effroi sacré. Alléluia. Amen, amen. Nous prions. Ô Père éternel, nous sommes heureux. Nous sommes les gens les plus heureux de la terre en entendant ces paroles de ta part. Et aussi, nous prenons un plaisir à partager ces paroles avec d'autres pour que nous puissions comprendre quelle est réellement ta volonté et ce que tu attends de chacun de nous. Nous avons été créés pour t'adorer. Et le malin nous a détournés pour nous adorer parfois nous-mêmes, le moi, ou adorer des idoles. Mais ton évangile est prêché aujourd'hui, d'ailleurs dans le passé, ensuite aujourd'hui et demain à travers le message des trois anges, pour inviter la terre entière à revenir à leur Créateur et lui adorer lui seul. Seigneur Dieu, je sais que tu es à l'œuvre par ton esprit et que tu parles à chaque cœur et tu veux les sensibiliser à t'accepter comme Créateur, comme Rédempteur, ton Fils Jésus comme Sauveur. Je sais que ton esprit est à l'œuvre. Continue à toucher les cœurs. Continue à sensibiliser chaque être humain pour qu'il puisse revenir à toi, à t'accepter, à t'adorer toi seul. Bénis ton peuple, ton église, tes enfants, ceux qui t'ont déjà accepté, que tu puisses les saisir par ton esprit comme un instrument et qu'à leur tour, eux aussi puissent partager cette bonne nouvelle et inviter le monde à revenir à toi qui est le seul Créateur. Pour que la terre entière, dans son ensemble, puisse t'adorer, car tu le mérites.
Oh, sensibilise-nous à cette mission et fais en sorte que notre vie soit une vie d'adoration pour que les gens qui nous voient aient envie de connaître ce Dieu que nous adorons et à leur tour puissent faire une expérience avec ce Dieu-là et voir leur vie se transformer au nom de Jésus. Merci de nous faire du bien. Merci de nous avoir écoutés, Père éternel, et continue en nous ton œuvre. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen, amen, amen.